Seigneur, acclamez son nom, chantez le Seigneur, tous les peuples, chantez le Seigneur, jouez pour lui. C'est le Seigneur qui nous garde, c'est le Seigneur qui nous sauve, c'est lui qui nous a fait, nous sommes ses enfants. Chantez le Seigneur, tous les peuples, chantez le Seigneur, acclamez son nom. Chantez le Seigneur, tous les peuples, chantez le Seigneur, jouez pour lui. C'est le Seigneur qui libère, il fait mourir et fait vivre, c'est lui notre berger. Du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs bien-aimés, préparons-nous à la célébration de cette Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, Dieu éternel et tout-puissant, nous implorons avec plus de ferveur ta tendresse en ce temps de Pâques où ta bonté nous l'a mieux fait connaître. Ce que tu as dégagé des ténèbres de l'erreur, fais-les adhérer plus fermement aux enseignements de ta vérité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen.
Lecture du livre des Actes des Apôtres, le 8e chapitre, les versets 26 à 40. L'ange du Seigneur adressa la parole à Philippe. Mets-toi en marche vers le midi. Prends la route qui descend de Jérusalem à Gaza. Elle est déserte. Et Philippe se mit en marche. Or, un Éthiopien, un eunuque, haut fonctionnaire de Candace, reine d'Éthiopie, administrateur de tous ses biens, était venu à Jérusalem pour adorer Dieu. Il en revenait assis dans son char. Il lisait le prophète Isaïe. L'Esprit du Seigneur dit à Philippe, « Avance et rejoins ce char. » Philippe s'approcha en courant et il entendit que l'homme lisait le prophète Isaïe. Alors, il lui demanda, « Comprends-tu vraiment ce que tu lis ?» L'autre lui répondit, « Comment pourrais-je comprendre s'il n'y a personne pour me guider ?» Il invita donc Philippe à monter et à s'asseoir à côté de lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. « Comme une brebis, on la conduit à l'abattoir. Comme un agneau muet devant le tondeur, il n'ouvre pas la bouche. À cause de son humiliation, sa condamnation a été levée. Sa destinée, qui la racontera? Car sa vie a été retranchée de la terre. » L'eunuque dit à Philippe, « Dis-moi, je te prie, de qui le prophète parle-t-il? De lui-même ou bien d'un autre? » Alors, Philippe prit la parole et à partir de ce message de l'Écriture, il lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils poursuivaient leur route, ils arrivèrent à un point d'eau. Et l'eunuque dit, « Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je reçoive le baptême ?» Il fit arrêter le char, ils descendirent dans l'eau tous les deux, et Philippe baptisa l'eunuque. Quand il fut remonté de l'eau, l'Esprit du Seigneur emporta Philippe. L'eunuque ne le voyait plus, mais il poursuivait sa route, tout joyeux. Philippe se retrouva dans la ville d'Ashdod. Il annonçait la bonne nouvelle dans toutes les villes où il passait, jusqu'à son arrivée à Césarée. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Nous allons ensemble méditer le psaume 65. Et après chaque strophe, nous répéterons. Peuple, bénissez notre Dieu. Peuple, bénissez notre Dieu. Peuple, bénissez notre Dieu. Faites retentir sa louange, car il rend la vie à notre âme. Il a gardé nos pieds de la chute. Peuple, bénissez notre Dieu. Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu. Je vous dirai ce qu'il a fait pour mon âme quand je poussais vers lui mon cri. Ma bouche faisait déjà son éloge. Peuple, bénissez notre Dieu. Venez et voyez les hauts faits de Dieu. Béni soit Dieu qui n'a pas écarté ma prière, ni détourné de moi son amour. Peuple, bénissez notre Dieu. Prière de vous mettre debout pour accueillir et acclamer l'Évangile. Jésus, qui mange de ce pain, vivra pour toujours. Alléluia.
Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Chapitre 6, verset 44 au verset 51. Après avoir multiplié les pains, Jésus disait à la foule des Juifs, « Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire vers moi, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. » Il est écrit dans les prophètes, « Ils seront instruits par Dieu lui-même. » Tout homme qui écoute les enseignements du Père vient à moi. Certes, personne n'a jamais vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là seul a vu le Père. Amen, amen, je vous le dis. Celui qui croit en moi a la vie éternelle. Moi, je suis le pain de la vie. Au désert, vos pères ont mangé la manne. Et ils sont morts. Mais ce pain-là qui descend du ciel, celui qui en mange ne mourra pas. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair donnée pour que le monde ait la vie. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Révérend Père, révérend Sœur, chers internautes, chers fidèles auditeurs et auditrices de la radio télé Alta Grâce, chers et sœurs, dans le Christ. Bonjour. Janouye à Jésus Nabkembe. Personne ne peut venir à moi à moins que le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Par cette parole, Jésus a fait éloge de la grâce de Dieu. Dieu fait grâce à qui il veut. Nul ne vient sans être attiré. Qui est-ce que Dieu attire? Qui est-ce qu'il n'attire pas? Pourquoi attire-t-il celui-ci? Pourquoi n'attire-t-il pas celui-là? Autant de questions desquelles nous ne devons pas nous établir juges. Si nous ne voulons pas nous tromper, car Dieu fait grâce à qui il veut. Dans l'évangile, je dis, Jésus révélé comme pain by la vie. Le chapitre 6 de l'évangile de saint Jean, c'est le chapitre du discours de Jésus sur le pain de vie. Jésus, c'est pain qui by la vie. Alors, Jésus by la vie à moun qui mange koli, c'est-à-dire à moun qui croit dans li. Chers frères bien-aimés, par le discours sur le pain de vie, Jésus oppose les Israélites incroyants qui, nourris de la manne au désert, sont morts, et les croyants qui, nourris du pain céleste, vivent éternellement. L'incroyance mène à la mort. La foi mène à la vie. C'est un coup Nicodème qui pas comprendre les Jésus te dit, si ou pas fait de nouveau, ou pas ouais, royaume ciel là. Juifs, yo, ne pas comprendre tout. Les Jésus dit yo,
si nous pas manger pas petit monde non va bien la vie dans nous un discours qui fait juif yo camper en face de Jésus comment comprendre yo monde dit pour nous manger colli qui bizarre hein? Manger corps petit monde non comme yo c'est mieux parfois ça voit qui paraît insignifiant devant yo ça voit qui paraît qui pas gagne en pile importance en pile valeur devant yo c'est lui qui gagne valeur pour bon Dieu c'est lui qui gagne importance pour bon Dieu je t'aboumer avec Jésus parce que Jésus te dit yo faut que yo manger corps pour gagner la vie or c'est une réalité. Question Nicodème et des Juifs qui manifestent leur incompréhension nous aident à comprendre que les sacrements ne peuvent être compris au regard de la foi. Pas gain sacrement sans la foi. Ça nous célébrer hein? C'est ça nous croyons. Lect credendi, lect celebrandi. La loi de croire est aussi la loi de vivre, la loi de célébrer. Jésus va nous coller pour nous manger, pour nous capables de gagner la vie. Premio, semio. Sans la foi, sacrement yo, yo pas représenté en yon. Sans la foi, manger quoi petit moun nan, c'est pas en yon di ou fait. C'est un coup où te mangé yon mou sou pain. Sans la foi, baptiser, plonger dans la mort Jésus pour lever avec lui dans le dernier jour, dans le baptême nan. Sans la foi, c'est bien, bien. Alors, croyons nous pas quoi dans la présence réelle Jésus dans l'Eucharistie, ça n'a pas diminué ça l'Eucharistie dans lui-même. Mais le manger pour Jésus ya, sans pas quoi là-dedans, li, c'est un coup où il fait un sacrilège. Ou manger pour Jésus sans pas quoi dans la présence réelle, li, dans pain dans hostie consacrée, c'est un coup où tu manges un morceau de pain sans levain. L'importance de la foi pour les sacrements. Dans la célébration de la messe aujourd'hui, on nous demande de mettre là pour aider nous croire chaque jour plus dans la présence réelle de Jésus dans l'Eucharistie. Parce que, ou pas croire une fois pour toutes, la foi, c'est un couillon petit pied bois ou gagné de n'importe la caillou. Plus ou arrosé, c'est plus la grandi. On demande, je peux dire, remettre là. Augmenter la foi, non, dans la présence réelle Jésus, dans l'Eucharistie. On demande, remettre là, pour aider nous vivre d'une façon qui est contraire par rapport à l'esprit du monde. Comme ça. Nous ne pouvons pas quitter ces réalités mondes qui changent nous, mais c'est nous-mêmes qui va travailler pour nous changer le monde. Parce que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous ne sommes pas des mondains. C'est bon Dieu remettre là, fais-nous grâce. Mettez force dans la faiblesse, non? Pour nous capables de résister. Résister contre toute mauvaise tentation dans la vie, non? Résister contre tout ça, monde là, offrez-nous et pas dans la volonté, bon Dieu. Amen. Thank you.
papa, nous qui sommes bons. Grâce à Jésus-Christ, c'est tout. Nous voulons vivre au salon, même si le midi a ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur notre Dieu, dans l'admirable échange du sacrifice eucharistique, tu nous fais participer à ton unique et souveraine divinité. Nous avons reçu la connaissance de ta vérité. Accorde-nous de lui être fidèle par toute notre vie, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de te louer, Seigneur, en tout temps. Mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui, se lèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle. Et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Car sa mort nous a franchis de la mort. Et dans le mystère de sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi la joie pascale rayonne partout l'univers. La terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Celui qui
toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit, il le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission. » Les péchés, vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort. Gloire à toi qui es vivant. Notre sauveur et notre faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Max le Roi et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi des défunts pour qui nous t'offrons ce sacrifice. Souviens-toi des défunts de notre communauté paroissiale, des défunts de nos familles. Souviens-toi des personnes tuées dans l'insécurité en Haïti. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté sur les personnes qui se recommandent à nos ferventes prières. Nous implorons ta bonté sur les personnes qui célèbrent un événement heureux dans leur vie aujourd'hui. Georges Larion et Rose Carmel Polo, qui célèbrent aujourd'hui leur 34e anniversaire de mariage.
Nous implorons ta bonté sur Arnaud Konda, Yann Dietjens, Yegan François, Jean Sorel Chéri, Yashua Warner, Lionel Etienne, Marie Mercia Guerrier, Marie Raymond de Costan, Marjorie André Francis, Maud Louis, Madame Artemise Généus Exantus, Pascal Taino Chambonne, Rose Saint-Fleur, Thierry Omaric Petit, qui célèbrent aujourd'hui leur anniversaire de naissance. Nous implorons ta bonté sur les personnes qui ont recommandé cette messe. Nous implorons ta bonté sur les bienfaiteurs et les bienfaitrices de la paroisse vivant en Haïti et à l'étranger. Nous implorons ta bonté sur les religieux, sur les religieuses qui sont sur la paroisse. Nous implorons ta bonté sur les fidèles auditeurs de Radio Télé Altagrâce, Radio Télé Transfiguration, qui participent à cette célébration eucharistique via les réseaux sociaux. Nous implorons ta bonté sur Stacy Constant, sur Junie Joseph. Nous implorons ta bonté sur chaque fidèle ici rassemblé, sur le clergé paroissial. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Notre-Dame d'Altagrâce, avec Saint-Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Donne la paix à notre pays. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit.
celui qui enlève les péchés du monde, heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Prière pour la communion spirituelle. Mon Jésus, je crois que tu es réellement présent dans le très saint sacrement. Je t'aime plus que tout et je te désire dans mon âme. Puisque je ne peux pas te recevoir sacramentellement maintenant, viens au moins spirituellement dans mon cœur. Et comme tu es déjà venu, je t'embrasse et je m'unis tout entier à toi. Ne permets pas que je sois jamais séparé de toi. Amen.
Dans ta bienveillance, reste auprès de ton peuple. Nous t'en prions, Seigneur. Puisque tu l'as initié au sacrement du ciel, fais-le passer de ce qui est ancien à la vie nouvelle par le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous voulons dire merci. Merci à nous toutes, merci à nous chacun. Merci à musicien nous, maestro nous, et à chante nous, animateur, animatrice, qui aide nous la prière, qui aide nous lever nom nous, bon Dieu qui sauve nous, bon Dieu qui nourrit nous, bon Dieu qui pas jamais suspend, prend soin nous, bon Dieu qui lever tête nous. Merci à nous toutes, merci à nous chaque technicien, caméraman, merci et merci à toutes. Auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices, radio, télé, Alta Grâce, et puis auditeurs, auditrices, radio, Transfiguration, cap, où ils transmettent célébration, la messe. Là. Nous voulons annoncer nous, et programme spécial pour moi de mai, mois de Marie, cap gagné dans l'église là, sur radio, télé, Alta Grâce, programme non, sur programme La Prière. La prière à la Vierge Marie, n'a demandé maman pour continuer la prière pour nous, la prière
pour peuple haïtien, la prière pour pays, pour nous capables de sortir dans la situation que nous y est. Et nous avons bien livré pour le mois de Marie qui est disponible pour que nous capables bien vivre le mois de Marie, le mois de mai. Et 31 ans, l'a commencé le 1er mai. Nous rappelons, frères et sœurs, dans solidarité avec la paroisse Notre-Dame de Fatima à Pernier, que nous gagnons avec nos confrères, nos pères Vidres, qui s'est curé paroisse là, nous avons gagné une veine à Fatima. Et c'est là, dans l'église là, chaque jour, du 4 au 12 mai, dans la messe midi, à la messe de midi. Et nous avons gagné pile fidèle et Fatima, dans Pernier, qui a venu non seulement pour participer dans la messe là, mais tout pour assurer, et ensemble avec Curéo, Père Vidres, Olibert, Animation, la messe là. Donc nous invitons pour que nous soyons capables de participer dans la neuvaine à Fatima, qui a fait dans l'église là, à midi, en communion avec Notre-Dame de Fatima, Pernier. Et puis, toute offrande que nous baillons pendant neuvaine, et pour intention messe, pour neuvaine, yo pralé dans la paroisse Notre-Dame de Fatima à Pernier pour capable soutenir et travailler Père Vidres les projets que le gagnent pour l'église là, pour la paroisse là. Nous voulons souhaiter joyeux anniversaire à tout le monde qui a célébré l'anniversaire. Joyeux anniversaire de mariage à Georges Larion et Rose Carmel Polo. Il a célébré 34e anniversaire mariage. Nous implorons bénédiction, bon Dieu, sous yo, sous famille. Joyeux anniversaire à Arnaud Kwanda, à Ilan Gitjans, à Ilège François, à Jean-Sorel Chéri, à Joshua Warner, ou bien Joshua, tout dépend, j'en ouvre les prononcer. Joyeux anniversaire à Lionel Etienne, à Marie Mercia Guerrier, à Marie Raymonde Descostes, à Marjorie André Francis, à Maud Lui, qui c'est membre groupe Les Amis de Marie, à Madame Artemise Généus Exantus. Écoute, Madame Exantus n'est pas là. Tout le monde qui a célébré l'anniversaire, qui est capable d'avancer. Et bonne fête, Madame Exantus, qui est toujours là avec nous dans toute activité. Joyeux anniversaire à Pascal Taïno Cambron, à Rose Saint-Fleur, à Thierry Omaric Petit. Joyeux anniversaire à tout le monde qui a célébré l'anniversaire. C'est pour grâce à bénédiction, bon Dieu, tomber sous nous en abondance. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux
Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame d'Altagrâce. Grâce pour nous, grâce pour Haïti, grâce pour le monde entier, grâce pour l'Église. Notre-Dame du perpétuel secours. Secourez-nous, secourez Haïti, secourez le monde entier. Protégez l'Église, protégez notre foyer, bénissez nos enfants. Jésus, j'ai confiance en toi. 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 Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne journée, frères et sœurs bien-aimés, et à monde qui pral participer dans la célébration deuxième messe-là. Nous souhaitons une bonne participation. Et à Madame Exantus qui rivait qu'on est là pour capable participer dans la deuxième messe-là. Nous souhaitons un joyeux anniversaire. Bonne journée à vous tous. Merci mon Père, Père. Jésus ressuscité, alléluia, amen. On dit mon Dieu merci, alléluia, amen. Jésus ressuscité, alléluia, amen. On dit mon Dieu merci, alléluia, amen. On fait louange pour mon Dieu. Pour tout ça, l'effet est grand. Jésus ressuscité, alléluia.